J'ai eu la chance de faire une bande dessinée sur Le Petit Prince et je crois que dessiner ce personnage a changé ma vie. Le Petit Prince associe en commun avec la Bible ou avec le Père Noël qu'on a tous une histoire avec le Petit Prince. C'est le livre qu'a utilisé mon grand-père pour m'expliquer ce que c'était que la mort et ce que c'était qu'un deuil. Puisque finalement, le Petit Prince, c'est apprendre à se passer d'un être qu'on aime et c'est aussi une fable sur l'attachement, sur l'amitié. Ce qui m'a toujours touché dans l'œuvre de Saint-Exupéry, c'est d'un côté la dureté des souvenirs d'un aviateur qui a vu mourir beaucoup de ses copains et de l'autre, l'élégance presque, oui, presque extrême orientale, presque zen, de ce conte qui n'est pas du tout seulement pour les enfants, qui est un conte de sagesse universelle. J'ai eu la chance de faire une bande dessinée sur Le Petit Prince et je crois que dessiner ce personnage a changé ma vie.